et grâce en Christ, pour Pessi Bassan, tu dois se na combo na Yesu. Tu kai te kimia na kolo espe bulingo na ye. Eza la likole ya moko na moko. Oyo akolanda biso na nzela ya audio oyo. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Tolingi kolobela likolo ya épervier. Toza kokoba na enseignement na biso likolo ya le discours de Dieu à Job. Comme précisément na épervier nde tolingi tolobela que le Seigneur nous bénisse toi et bien tout ce que la marche mulai tolobeli ba nyama ebele to comme ko kende presque na suka ya ensemble na biso mais ba nyama o batikali baza makambu ebele ko le route na tolobeli pour to simba aigle to simba ngubu to simba crocodile. Donc, je vais vous dire que si vous êtes ici, par la grâce de Dieu, vous avez un souci Job 38 Mobimba. Pour le mystère est belé, et ça n'a pas de souci. Bon Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps, bénis ce temps, édifie-nous par ta parole, enseigne-nous. Nous sommes à la musique, bénis ce temps, au nom de Jésus. Amen. Job chapitre 39, verset 29. Et c'est par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi. Ok. Bon, l'imbissa. Si ka tozali, toza ensemble si ke zali da pembe ni abar. Ensemble si ke zali da pembe ni abar. Je crois musique bozo kawana, neti suki bozo yoka. Donc, ezo beta na bar. Bango bata bar bazalaga. Ava ba banda ko fongola. Ba tiara nanu ba chanson neti chrétienne. Et Betty, après Bachie Bao ya Bango, na suka so ni bakanga Bachie ba chanson chrétienne à tout ça, je dirais que tout ça, 14h43 euro yo, ils allons quoi l'ouvertir, tu Bachie na ba chanson chrétienne, tant ba ko traka ta bonon wa buzo ba na bango Bachie ya Bango, tant ba linga ba sili ça, ba zongi si ba chanson an, mais y a un autre truc qu'on pêche biso, tout le belasi la parole de Dieu, ok, tout suite tout makanda. Il y a Job 39, verset 29, et c'est par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi. Voilà. Tokolobela, intelligence et Nzambe na ba volé mi balé. Awa, Nzamba zoye bisa Job, et son intelligence et Job te, nde épervier pumbwaka. Et l'intelligence na ete, nde épervier pumbwaka. Donc épervier à pumbwaka. Na intelligence ya Nzambe yemoko. Voilà. Or épervier azandeke. Épervier azandeke. Tant que na Genèse chapitre 5 verset 14 Bible lobby. Non. Genèse chapitre 1 verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux, des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ok. Awa tomoni nzambe azoloba que ezana intelligence ya jobité ndendeke akoyeba na ko ende pervia pumbwaka. Or pervia lokola ndeke tuzungi na 5e jour na 5e jour nde nzamba lobaki ndeke ayeba na ko pumbwa. Voilà, c'est pour dire que ko pumbo ya ndeke eza na nzela ya maele ya Jobite eza na manzela ya maele ya Nzambe. Mettons toke na Genèse chapitre 1 to moni kuna bandeke bazo pumboa eza laki na nzela ya maloba na Nzambe, Nzamba lobi. Donc tant Nzamba lobi bandeke ba pumboa bandeke ba pumboe. Donc c'est pour dire que na Genèse chapitre 1 ndeke ya pumboa ka na nzela maloba ya Nzambe. Mais dans Job chapitre 39, il dit que ndeke apumbwe par l'intelligence de Dieu. Na lingi toyo kana na malamu awo. Nzamba zoyibisa Job eza na nzela maele na yote nde épervier apumbwaka. Veut dire tant épervier apumbwaka apumbwa na nzela maele ya Job te mena nzela maele ya Nzambe nde épervier apumbwaka. Or épervier lokola ndeke tant tokozonga na Genèse chapitre 1 tout le monde a qui ndeke pa pumbwa ezikina nzela ya maloba nzambe sengela ki aloba
Par là, nous avons compris que l'intelligence de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu. À tous, on a un peu de pervier, le coup, l'enlèvement. C'est pour dire qu'enlèvement, comme ça, la main, dans cela, il y a intelligence en Zambé. Or, intelligence en Zambé, c'est la parole de Dieu. C'est pour dire que l'église qui sera enlevée, l'église sera enlevée à cause de la parole pire, à cause de la parole de Dieu. Donc, sans la parole de Dieu, pas d'enlèvement. Il y a un truc qui est pour enlèvement, ça, la main, il faut l'exactitude de la connaissance de la parole de Dieu. Hein? Ça, la connaissance exacte, enlève mes athées. Voilà. Tout de suite, Mukanda Moko, tout le Mukanda est Deutéronome, chapitre 4. Là, tout expliquera l'intelligence de Dieu comme la parole de Dieu. Dans le premier aspect, Deutéronome chapitre 4, verset 5 à 6. Deutéronome 4, 5 à 6. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui attendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Gloire à Dieu. Na Deutéronome chapitre 4, Tomoni Awa, Nzambe, Azo Benga, Mobe Konaye, intelligence et sagesse à peuple. Voilà. Pour comprendre directement, dans l'ombre, la loi de Dieu, parce que la loi était la parole de Dieu, dans l'ombre, Nzambe Azo Benga Malobanaye, qui est la loi, l'intelligence et la sagesse du peuple. Vous voyez? Nazoni Mukesima. Nzambe Aebisi. Job, est-ce que ça n'a pas maïele na yon de kepumboaka? Donc n'de kepumboaka na maïele ya Job te, apumboaka na maïele ya Nzambi. Et pervé s'il vous plaît. Et pervé apumboaka na maïele ya Job te, et pervé apumboaka na maïele ya Nzambi. Et pervé loko la n'de ke, donc na cinquième jour, la Bible dit que Nzamba lobi, bandekeba pumboa. Donc c'était par la parole de Dieu, n'de kazo pumboa. Par là, nous avons compris que l'intelligence de Dieu gale la parole de Dieu. La parole de Dieu gale l'intelligence de Dieu. Il y a un autre petit Deutéronome. Chapitre 4, Deutéronome est clair. Deutéronome est le service où nous avons besoin de nous faire un peu pour Israël. Nous avons besoin d'Israël qui est un peu pour nous faire un peu pour nous. Et que nous avons l'intelligence et que nous avons la sagesse. Par là, nous avons compris que la loi que Dieu a donnée, c'était la parole de Dieu pour ce temps-là. Hein? La loi que Dieu avait donnée, c'était la parole de Dieu pour ce temps-là. Cette parole-là, qui est la loi, nous avons la sagesse à Israël, puis nous avons l'intelligence à Israël. Or, aujourd'hui, la parole de Dieu, Nathan Abisso, c'est la saine doctrine, où ils ont l'explication de la loi, les prophètes et les psaumes. Par là, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, nous, notre sagesse et notre intelligence, c'est la saine doctrine. Hein? Notre sagesse et notre intelligence, c'est la saine doctrine. Voilà pourquoi tout le monde a été en train de débat. Mon frère est en train de débat. Bon, ça peut arriver. Moi, le solo. Alors, mon frère, je suis en train de sage, ça est la sagesse. Na ebite sagesse ni basenga ka mtoa salela. Oh za mukolo sala sagesse na ebite sagesse ni basenga ande kwa salela. Parce que nous enfants de Dieu, notre sagesse c'est la sainte doctrine. Nous enfants de Dieu, notre intelligence c'est la sainte doctrine. Vous voyez? Ce qui pour na Israël, c'était la loi qui était leur sagesse. Ils ala ki mobeko, ils ala ki intelligence na bango, na tawana, lelo na tana biso. Sagesse nabiso, intelligence nabiso, c'est la saine doctrine. Donc notre sagesse et notre intelligence, c'est la saine doctrine. Il y a un truc qui est l'église est causée à l'enlever à cause de la parole. L'église est causée à l'enlever à cause de la parole. Sans la parole, sans enlèvement. Ce qui est le baya solo et ça, intelligence en Zambé, enlève mes athées. Vous voyez, ce qui est le baya solo exacte, intelligence, hein? Le baya solo exacte, cela veut dire parole exacte. Voilà pourquoi, Mouto a tant à mingue, il y a un diplôme belé.
aza sage selon bato mokili mais lokola zangi litea ya solo eza la sainte doctrine na miso nzamba za mutaliboma parce que la Bible dit la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. C'est pour dire que tout celui qui manque la sagesse de Dieu ou la sainte doctrine na miso nzamba za mutaliboma. L'homme intelligent c'est celui qui a la sainte doctrine. Voilà, et on te dit que sans la saine doctrine, où est l'intelligence en Zambie, enlèvement est à l'église, où est-ce qu'on espérait l'enlèvement, et l'église où est vendue dans l'ITER, où est l'intelligence de Dieu. Donc l'intelligence de l'église, c'est la saine doctrine. Donc l'église où est vendue dans la saine doctrine, va espérer l'enlèvement. Mais l'église où est vendue dans la saine doctrine, à taba tonga, à bangon dengue, à tonga, à ma bête, mais l'église où est vendue dans la saine doctrine, pour na bango enlèvement exacté enlèvement exacté na catalité ya solo la raison pour laquelle dans les serviteurs les plus anciens ayaki pour na kozwa mwasi pour na Isaac les serviteurs les plus anciens alobaki te kenkolo mwasi ya kozala mayele mwasi ya kotanga mingi mwasi ya kozala mukieto munene mulaito mukuse mwindu to pembe te alobaki bongo te mwasi ya minoko ebele te alobaki bongo te alobaki mwasi o na kosenga mayi pa kopesa nga mayi ye wana. C'est pour dire que le choix de Dieu, c'était le colère à moi sur Oazana Maï. Hein? Or, quand on voit l'eau, c'est la parole. C'est pour dire que nous avons une église Oazana Maï, nous avons une église Oazana Litea, Oazana Intelligence, une église Oazana Parole, Oazana Sainte Doctrine, c'est une église intelligente devant Dieu. Mais l'église Oazana, la Sainte Doctrine, a mis son Zambé à table, Bazana Bandimi 5 000, 10 000, 100 000, 200 000, n'a mis son Zambé, Bazaba fou, n'a mis son Zambé. Parce qu'il est écrit, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Donc, Bwanya Mokili, et ça, liboma liboswanzam. L'intelligence de Dieu, c'est la saine doctrine. Manquer la saine doctrine, nami swanzambe, c'est la folie. Yanga tout le monde, bazo yanga na ebele, baza 250 000, 1 million de personnes. Bayanga na nombre, bawa sangarona, mais sou na kata bango lité ya ya solo ezate. Quand Dieu les considère, nami swanzambe, ce sont des fous, parce que baza l'intelligence swanzambe te. Parce que l'enlèvement est un peu plus de la matière, parce que c'est un peu plus de la solo. Voilà pourquoi, moi, dans Nzambé, il faut que bon de la fait que Nzambé a orienté et c'est que l'été est solo. Et puis, ce que tu as dit, l'été est solo, et c'est que l'été est bon de la peau, en fait que Nzambé a battu la haie, Nzambé a comblé, n'a pas besoin de la peau, a tenu la matière, a tiqué la caca, n'a qu'à l'été est solo, parce que. Un vrai prédicateur, c'est une bénédiction pour les peuples. Voilà. Wana ezala ki premier aspect, auto expliquer intelligence. Donc, expliquer intelligence comme la saine doctrine, l'intelligence de Dieu, tu expliquer comme la saine doctrine. Tout varier aspect, tu vois que la Bible dit lisu elembaka na komona te. Notre pasteur Jésus Lobaki, l'œil est la lumière du corps. Or la lumière c'est la révélation. Lumière de la révélation. C'est pour dire que révélation, ils en ont coulé rebelle. Il y a un truc varié. Connaissance et révélation, les mbaka comme on a été. Révélation, les mbaka comme on a été. Tolingi, toeba, nako, varié connaissance. Toujours l'ouka écriture moko, s'il vous plaît. Toujours l'ouka écriture moko, oyo, frère Paul Azoloba. Je m'excuse. Toujours que l'écriture moko un peu de patience. Toujours que l'écriture moko. Et puis ça biso nzela yako expliquer intelligence na aspect mususu. Jean chapitre 5 verset 20. Jean 5 20. Nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son fils Jésus-Christ. Voilà. Ah, Balobi qui est le fils de l'homme, aya qui peut appeler sa biso l'intelligence. L'intelligence, wana, et zande peut appeler sa biso connaissance à le véritable. Yango la divinité. Pour nous voir la divinité, il faut la vraie connaissance. Or, la vraie connaissance, il faut l'intelligence. Attention, l'intelligence ici. Ici l'intelligence c'est l'esprit de Dieu. Hein? Awa l'intelligence, ezobi mamoli mosantu. Voilà.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. C'est pour dire que pour Yéba, Nzambera Bosolo, il faut une intelligence. Or, l'intelligence, nous expliquons aussi comme la connaissance, mais à tout varier connaissance, pour nous, c'est l'intelligence comme l'Esprit de Dieu, comme le Saint-Esprit. Voilà. Il y a autant que nous avons un psaume. Chapitre 73, verset 22. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. C'est pour dire que Banyama. Bazalakana maele te awa zaf mutazoloba. Abina misuno nazalaki lokola banyama nazanga ki maele. Tonzondi mananu ke na ancienne alliance mobimba tozalaki banyama po tozanga ki maele. Nasirana tozalaki banyama po tozanga ki maele. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est ndepo yaki apesa biso maele o tozanga ki na ancienne alliance. Donc lelo tolongwa banyama tokoma batu. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas l'intelligence. Moutoune sozangi molimo santo na miso nzamba za niyama po niyama za kana maele te. Moutoune sona molimo na nzambe te na miso nzamba za niyama. Me biso, otona molimo na nzambe, lelo, tozali, batu. To explique intelligence na bavole mi bale. To explique intelligence lokola la saine doctrine. To explique intelligence comme le Saint-Esprit. C'est pour dire que ce que l'église est kozala enlevé, et à cause de la parole pire, Nanzela Moli Monsanto. Voilà. Sans le Saint-Esprit, l'église ne sera pas enlevée. Voilà. C'est pour dire que Bato, dans la connaissance, il y a solo. Quand on enlève, il y a Moli Monsanto, il y a Batoana, il y a Netolama. Et ça, Nanzela Maele et Batoute. A tous, l'intelligence des hommes comme de fausses prédications. L'intelligence des hommes comme de fausses connaissances. L'intelligence des hommes, le rôle de la stratégie humaine. Oui, ils ont balé la tête, ils ont balé la tête. Stratégie, c'est ce que je veux dire. Mais stratégie, on peut balé la tête. Mais ce qui est balé la tête, c'est de rejeter. Ce qui est balé la tête, c'est leur volonté, c'est de rejeter. Ce qui est balé la tête, c'est de il y a toujours le baquet, ce que vous allez enlever, et ça, il y a Moli Monsanto, il y a Boye Biasolo. Surtout, on a Boye Biasolo, quand l'enlèvement viendra, le Saint-Esprit a reçu la quête, tout netolama. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. On a la introduction avec ceci, le pervier. Le numéro de ceci, Zali, plus 243. 99 88 77 333. Monsieur Zali, plus 243 84 22 64 114. Sorobingi soba numéro wana tokosola makambi ya Nzambe. Paix et grâce à Christ Tukutani prochainement na prochaine séance.